Berlin a accueilli ce vendredi l'initiative Compact with Africa, une conférence pour soutenir l'investissement privé allemand en Afrique. Plusieurs dirigeants ont participé à cet événement où il était aussi question de vaccins. Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé vouloir mettre en place des sites de production de vaccins à ARN messager en Afrique. BioNTech s'est intensifié et a décidé avec les partenaires africains et la Commission européenne d'apporter la technologie d'ARN messager en Afrique, une technologie bien connue pour lutter contre le Covid, mais avec un énorme potentiel pour lutter contre d'autres maladies. Je suis convaincu qu'avec la réunion d'aujourd'hui, nous pouvons atteindre l'objectif, même si c'est étape par étape, en commençant par la mise en place d'unités de fabrication en Afrique l'année prochaine. Et les pays choisis pour installer ces sites de production seraient notamment le Rwanda et le Sénégal, une initiative saluée par le président Macky Sall. Ce jour est un jour historique dans notre combat pour l'accès au vaccin. Le vaccin équitable en Afrique, comme nous l'avons dit. Actuellement, près de 1% des vaccins utilisés en Afrique sont fabriqués sur le continent. L'Union africaine veut faire grimper cette proportion à 60% d'ici 2040.